Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 385e épisode de notre Let's Play Station Heroes saison 5 sur Vulcain. Et aujourd'hui, on a des petits problèmes sur les Harvey. Allez, en route. Ah, c'est du flat, s'il n'y a pas charpé. J'ai du wool, j'ai du... Ah, pas d'id. Voilà ce que je cherchais. Pas d'id gris. Il à toi. Okay, ma main a coupé que c'est ça. Comment ça se fait? Où ça? Non, pas pour les... Pas pour les padides. Un padded wall. Les monter là. Attends, plastique. Non, pas dit, c'est pas plastique. Non. Non, c'était plastique avant. C'était pas d'acier avant. Il semblait que c'était acier. J'ai bugué. Ma tête, c'était acier.
Ok, toi tu vas faire les tomates. Donc il faut que tu avances vers les graines. Toi tu vas déjà faire les patates. T'as déjà les graines ici. Ok, donc là c'est l'affaire de quelques minutes. Il y a déjà la graine là. Elle va faire qu'une patate, elle. C'est random maintenant le... Une patate. T'en fais deux. T'es qu'à 96. Toi t'en fais deux. T'es à 104. 2. 107. 2. 97. Et 109 pour une. Je comprends pas. Peut-être juste un bug dans l'affichage du tooltip, mais... J'ai tout replanté au même moment. Ah, ça commence à... Ça va faire bugger mon code, ça, si c'est pas... Ok. Non, le ceiling de là où c'est vide devrait pas influer parce que c'est pas zéro, c'est not a number, donc la moyenne devrait pas être influencée par ça. Le minimum devrait pas être influencé par ça. Je crois que je regardais le minimum. Seed. Attends, quoi? Est-ce que tu es la dernière ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Allez, allez. Tu vas faire la graine? Et encore toi aussi. Toi en face. Donc 3. Ça ne peut pas être monté en graine. Réussir à ne pas monter en graine aujourd'hui. Ah, ça y est, toi c'est bon. Il n'y a plus que deux. Que deux. Et je sens que ça sera pour demain. Mais c'est les derniers rayons du soleil. Enfin, les derniers rayons du trou noir. Est bizarre dans l'absolu. Les derniers rayons du disque d'accrétion du trou noir. Darkness. In darkness. Et on n'était pas loin. Préparer à monter. C'est loin. Le maïs, il est où? Ah, corn seed, corn seed. Corn seed, corn seed, yes. Impeccable. On peut activer le maïs. Il n'y aura plus que la citrouille. Moi, j'ai du jaune ici. Maïs. J'avais peur. Il semblait que j'avais... citrouille, je te mets, juste je ne t'allume pas.
qu'il faut que je me fasse manuellement? Non, j'avais mis le setting juste avant mon yield. C'est bon? Pourquoi tu ne fais pas un harvest? Ok. On te déclencher vraiment pour faire le harvest. J'ai mis un yield là, que je les allume mais il déclenche pas le harvest. Et je pense que je vais avoir le même souci sur... Et ça aussi, il faut que je rajoute un registre que je vais appeler item H en R12 que je vais copier. Item H en R12. Branch qui not equal 0 de ça, branch relative 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, une fois qu'on a stocké un item H, on ne refait pas cette boucle-là à chaque fois. Et j'ai rajouté un yield. Ça, c'est bon. Je re-sauvegarde mon code une 20e fois. Et on va se mettre ça... Ah voilà. Oui, jolie graine. Et c'est libre.
Oh les jolies patates. Ok, toi t'as popé. Ah, ils ont pas corrigé ce problème. Maintenant. Ah, ici. Ah, j'aurais voulu un. Boulet. Boulet, boulet, boulet. J'ai bizarre. J'ai bizarre. Bah oui. Bah oui. Toi, c'est pas toi. Où est-ce que j'ai rangé mes chutes? Ah, là. Ok. Et donc, pourquoi là ça ne récolte plus? Parce que tu dois trouver que ça c'est pas bon. Donc il va falloir changer ce mode de fonctionnement là. Parce que si certaines sortent que une pomme de terre. Qu'est-ce que tu dis? Erreur à la ligne 69. Ah non, rien à voir. Mais déjà, t'as envie d'y rentrer. L'autre slot R1 Vending RR0. Non. Il est pas content. Tu rentres où? Ils sont allés là-bas. Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Des docides? J'ai que des cides. J'ai 11 potés docides.
Ah, parce que t'étais fermé et du coup. Et du coup. T'as bugué et. Donc l'autre slot est un vending RR0 occupied. Plutôt R0 à chaque fois. Branch greater than. Combien de slots déjà dans une vending? Slot de 0 à 101. À 0, 101. Et ben on bypass. -1, -2, -3. Je regarde ça. Dis une erreur à ligne 70. Direct. L'autre slot R1. Ah non. Ah si. L'autre slot R1. Vending. RR0. Occupied. Oui. Branch relative. Et. Call 0 de R1. -1, -2, -3. Et lui, c'est moins 5. Alors, je vais centaine de ligne. Je sauvegarde, je confirme. Je l'exporte. Erreur, ligne 70. Out of register bounds. R0 est plus grand que 101. On bypass. Ah mais non, mais... On garde RR. Simplement. Et du coup, ça veut dire que j'ai pas besoin de ça. C'était pas ça mon erreur.
Toi, t'as une stack size à... Hein? Je me souviens plus comment fonctionne le activate. J'ai un gros doute. XK, toi qui maîtrises le activate comme un pro. Il me semblait qu'on c'était le setting. Puis. Le. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!